que c'est inapproprié, c'est inacceptable de couler des documents qui sont confidentiels, qui sont à huis clos. C'est une attaque, et non sur le maire, mais sur le conseil en entier. Il faut préciser aussi que l'information qui a coulé hier, c'est de l'information qui n'avait pas été présentée à l'ensemble des élus. La présentation, c'est pas une présentation que nous avons reçue personnellement à huis clos. OK, ce n'était pas une présentation pour la totalité des élus, seulement, par exemple, au comité exécutif avec les partenaires? En fait, ce n'est pas une présentation qui avait été faite directement aux élus. Il y a de l'information à l'intérieur que nous n'avions pas et nous n'avions pas reçue. Donc, pour moi, c'est important parce que le communiqué hier qui a été émis donnait un soupçon de doute, faisait planer à une attaque personnelle envers le maire. Je pense qu'il faut rester calme quand on est un leader, puis il faut s'assurer des propos. Puis on se doit de ne pas faire planer des doutes sans avoir des faits concrets. Et puis, c'est ça, c'est que l'information, elle n'était pas disponible aux élus. Qu'on a reçu, elle n'a pas été présentée aux élus. À votre connaissance, ce document-là a été présenté à qui? Bien, ça, je laisserai d'autres personnes faire ces propos-là, mais pour moi, c'est important, comme je dis, quand on dit des choses comme ça, quand on est maire, on doit rester très calme, on doit le faire, on doit être vigilant, puis on doit avoir un bon jugement, et puis on doit s'assurer de donner des impressions, puis donner les propos qui sont justes. Et puis c'est important, surtout dans un dossier comme ça, où on a une certaine opposition, puis c'est sain d'avoir des gens qui s'opposent à des projets, mais il ne faut pas laisser le doute planer sur ces personnes-là quand il y a des sujets, puis des documents confidentiels qui sont coulés, surtout quand on se retrouve avec l'information dont ces gens-là n'avaient pas connaissance puis qui n'avaient jamais été présentés. À quel doute vous faites référence? Bien, on le dit, là, on dit, tu sais, de pas, si ces gens-là, le geste lâche, de s'attaquer à moi au lieu de faire subir à la ville en entier, bien, moi, je vois ça comme étant une attaque au niveau politique, puis je pense qu'il faut faire attention à ça. Oui, c'est un geste excessivement lâche, c'est pas quelque chose qui doit être encouragé, c'est quelque chose qui doit être découragé, puis il doit avoir des sanctions. Puis ça, je crois que c'est très important parce que de livrer des documents comme ça publiquement, comme je disais, c'est une attaque sur tout le conseil et tous les employés, les gens qui sont autour de la table en train de travailler pour mener à terme un projet. Donc, ça, je pense que c'est inexcusable et puis que ça doit être adressé. Mais il faut faire attention quand on dit des choses pour s'assurer que le doute n'est pas mis d'une façon inexacte sur un groupe de personnes ou un groupe de gens. Vous n'avez jamais vu le document. Avez-vous appris des choses hier? En fait, oui, j'ai appris des choses hier, puis je ferai pas l'énoncé sur la place publique, et puis je commenterai pas des documents puis des choses qui sont encore pour moi à huis clos. Donc, tant et si longtemps que qu'est-ce qui a été sorti ne sera pas présenté d'une façon publique, moi, je me sens encore liée au huis clos. On comprend qu'il y a des éléments respectés dans le cadre d'un huis clos, mais vous étiez pourtant parmi les élus qui dénonçaient justement ces procédures de huis clos. De dénoncer un huis clos et de divulguer de l'information est deux choses complètement différentes, et puis il y a aucune justification qui peut être amené, qui donnerait permission à quelqu'un de divulguer des informations confidentielles. Merci. Est-ce que vous avez discuté avec des collègues pour voir si ce n'est pas quelqu'un de l'entourage qui a eu cette idée? Moi, je n'ai pas discuté de rien. Comme je vous ai dit, j'ai appris là, que c'était divulgué hier dans les médias en même temps que tout le restant du monde. Merci. Merci.